It's time to welcome our special guest for this morning. It's a great pleasure to welcome Maëlle Besson, who is the head of sports at Worldwide Fund France. Maëlle will be speaking in French, so if you want to switch channel, please feel free to do it now if you need to do so. Maëlle, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de prendre le temps d'ouvrir cette deuxième matinée de la conférence. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi d'être présent. Je suis depuis des années ce que fait Surfrider et m'en inspire. Donc, ravi de pouvoir être là à vos côtés. Je commence du coup. Si je dois partager ma vision, parce que c'est un peu ce qui m'était demandé, de partager ma vision sur le sujet du sport environnement, pour moi, à chaque fois, je réfléchis selon trois sous-sujets ou trois axes. Il y a évidemment l'impact du sport sur le climat, ça a été beaucoup, sur le climat, sur l'environnement, ça a été beaucoup abordé hier. Il y a aussi évidemment l'impact des conséquences du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité sur le sport. Et ça a des conséquences des fois qu'on ne mesure pas bien ou qu'on réduit à l'impact de la chute du taux d'enneigement. Et puis après, il y a un axe qui est de plus en plus développé, dont on a parlé, c'est quelle contribution le sport peut avoir sur ces sujets-là. Donc, je vais commencer par le côté impact des conséquences du climat et de la perte de biodiversité sur le sport. Souvent, ce que je disais, on le regarde et on le met en avant par le manque d'enneigement et l'impact que ça peut avoir sur les sports de montagne. Et c'est normal parce que c'est les plus spectaculaires, parce qu'en montagne, on a une conséquence du dérèglement climatique plus important que ce qu'on peut avoir en plaine. Donc voilà, mais il faut avoir en tête que ces conséquences vont impacter directement la pratique sportive de manière plus largement. Donc, il y a évidemment la montée des températures. On va avoir un nombre de jours supplémentaires par an assez conséquent où les températures vont dépasser les 32 degrés et qui vont du coup réduire notre possibilité de pratiquer le sport. En plus, si on parle du running, des pratiques en ville qui avec des effets d'îlots de chaleur qui peuvent être assez importants. Donc, il y a évidemment la montée des températures qui est une conséquence aussi sur la pratique en gymnase. Nos infrastructures sportives sont quand même plutôt vieillissantes en France on va avoir une vraie problématique d'adaptation si on veut pouvoir continuer à pratiquer dans un certain confort dans nos infrastructures sportives. Il y a évidemment la montée des eaux sur le littoral, mais ça, c'est un sujet que vous connaissez bien, et la modification des traits de côte et des sites de pratique qui peuvent avoir un gros impact. Il y a aussi la montée de température et la multiplication des périodes de canicule, de chaud, vont impacter aussi tous les gazons sportifs. Il faut savoir qu'on a 40 000 stades engazonnés en France et au bout de 2-3 jours de canicule, le gazon est en danger de mort. Il est en vraie difficulté. Il n'y a pas 36 manières de le rafraîchir. Souvent, c'est avec de l'arrosage. Et en général, les périodes de canicule s'accompagnent de périodes de sécheresse. Donc, la question de l'accès à l'eau et de l'accaparement de l'eau dans des périodes de sécheresse pour arroser des stades va se poser de plus en plus. Donc voilà, ça fait évidemment, je pense qu'on pourrait parler aussi de l'impact des règlements sur les sports d'eau vive. Donc ça fait plusieurs impacts directs des dérèglements. Et puis après, on peut avoir des impacts un peu moins directs. Un peu plus indirect, mais qui risquent d'être un peu importants. C'est-à-dire que les dérèglements climatiques, les pertes de biodiversité vont augmenter
c'est-à-dire des tensions sur l'eau potable, sur l'agriculture, sur des zones habitables dans le monde. Et on a sorti il y a quelques années un rapport sur l'impact du dérèglement climatique sur la sécurité, la stabilité d'un pays, et notamment de la France. Donc ça peut avoir des conséquences, et quand il y a une instabilité dans un pays, la pratique sportive peut en être passée secondaire, en tout cas. Et la situation dans laquelle on est, faut le rappeler, c'est-à-dire que les zoonoses, je ne dis pas spécifiquement pour celle-ci, le Covid-19, mais les 50% des zoonoses sont en grande partie dues à la perte de biodiversité qui augmente la cohabitation ou la proximité entre des espèces complètement sauvages et l'activité humaine. Et ce qui favorise du coup des passages de maladies. Donc il faut le savoir, 50% des zoonoses sont dues en grande partie à la perte de biodiversité. Donc c'est des conséquences indirectes, mais on a un exemple aujourd'hui qui peuvent avoir des impacts assez importants sur le sport. Donc on l'a dit plein de fois, le sport est profondément lié à notre impact environnemental, à notre environnement. Et on n'aura pas de pratique sportive sans avoir un environnement à peu près et des climats à peu près stables, sains et durables. Ensuite, le sujet qui a été beaucoup aussi abordé hier, c'est l'impact du sport sur le climat. Moi, je vois évidemment, on a parlé du transport et c'est un enjeu phare. Évidemment, tout ce qui est achat, resourcing. Je pense qu'il y a un sujet qu'on a moins creusé actuellement pour le moment, mais c'est tout l'impact du numérique. Qui peut être important, notamment dans le spectacle sportif, on aurait tout intérêt à s'y intéresser à ce moment de son développement, où on est en train de le développer à tout va, d'avoir un développement maîtrisé et pas se poser la question une fois qu'on a institué des habitudes, des modes de fonctionnement. Sur l'impact vous m'arrêtez si je suis trop long. Allez-y, c'est passionnant. Sur l'impact du sport sur l'environnement, pour moi, je vois une tendance, c'est-à-dire qu'il y a toujours des acteurs, que ce soit sportifs ou non sportifs d'ailleurs, qui ne s'en préoccupent pas encore complètement, mais ça devient une minorité. On remarque quand un événement ne met plus en place de tri sélectif. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on le remarquait s'il mettait. Donc ça devient une norme. Un peu une norme, mais on est encore sur une généralisation, enfin une norme de prendre ce sujet-là on prend le modèle de notre sport, de notre compétition, de notre discipline, et on voit tout ce qu'on peut réduire comme impact. Je pense qu'il faut aller assez vite, et il y a quelques acteurs qui sont là-dedans, et Paris 2024, dans nos travaux, dans la construction même du concept de Paris 2024, on est allé vers ça, c'est comment on fait de l'enjeu environnemental un impératif. Il faut être aligné avec l'accord de Paris. Comment on construit un événement ou une discipline qui est compatible et à la hauteur des enjeux. Comment on est encore à réduire et à essayer de mettre des panneaux solaires sur un gymnase qui est mal isolé, il va falloir qu'on arrive à monter d'un gap et de développer des disciplines et des modes d'organisation qui soient à la hauteur des enjeux environnementaux. Et ça, quand on reprend les sujets transport, achat, numérique, ça veut dire remettre en question un peu des fondamentaux peut-être que le principe de l'événement international ou la rencontre des peuples, elle doit se faire différemment. Elle peut aussi ne pas forcément se faire de manière ultra généralisée. En tout cas, il y a des enjeux et des challenges pour le sport assez existentiels et importants. Le troisième point sur lequel moi j'essaye d'avoir quand je travaille sur ce sujet-là, c'est quelle contribution du sport Souvent, la contribution du sport aux enjeux environnementaux n'est pas bénéfique en soi. Et ça, pour moi, il faut avoir deux notions en tête. Un,
c'est que la contribution du sport aux enjeux environnementaux et donc aux projets de société dans lesquels on veut avoir un environnement sain peut se penser que de manière globale. Et là-dessus, je trouve intéressant l'avis de l'ADEME sur la neutralité carbone qui rappelle qu'une neutralité carbone n'a de pertinence que si elle est pensée au niveau mondial et intersectoriel et au niveau pays. Et que quand on réfléchit sur une neutralité que sur une structure, ça a des effets très pervers et que ce n'est pas forcément la meilleure des options. Et ça, du coup, dans la contribution que le sport, qu'une instance sportive peut avoir à la transition écologique ou aux enjeux environnementaux, il faut l'avoir en tête que ce n'est pas juste sur son périmètre de responsabilité, c'est vraiment comment on s'insère. Et le deuxième élément qui est indispensable à avoir, c'est le facteur comportement humain. On n'est absolument pas rationnel en tant qu'individu, on est profondément irrationnel dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions. Faut vraiment l'intégrer. Le sport l'intègre énormément et c'est pour ça qu'il y a autant de sponsoring sportif, c'est bien parce que ça influence des comportements, ça influence. Donc il y a un vrai pouvoir du sport à influencer et c'est tout ce qui était mis en avant hier, le pouvoir de l'exemplarité, de la sensibilisation et tout ça. Mais alors du coup, à mon sens, la contribution du sport, il faut la voir dans son organisation un peu de manière globale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser, à mon sens, quels idéaux de pratique et de consommation on promeut à travers son spectacle sportif, sa discipline, son événement sportif. C'est-à-dire que réduire son empreinte sur un événement en continuant à mettre en avant certains sponsors, certains comportements de transport aérien un peu partout, certaines belles images dans les publicités de running dans le désert ou de surf à l'autre bout du monde, ça continue à construire un idéal de pratique qui est antinomique avec nos enjeux. Et là, à mon avis, c'est dans ce sens-là que je dis que le sport peut avoir une contribution négative ou positive sur ces enjeux-là. Et c'est un gros challenge, à mon sens, qui s'ouvre aux acteurs du sport et aux sportifs. C'est comment on arrive à avoir une cohérence une cohérence et une construction d'un idéal de pratique, d'un modèle de pratique qui est un peu plus vertueux, mais ça veut dire abandonner certaines choses qui nous font rêver. C'est-à-dire, ça veut dire pas abandonner des choses qui nous font rêver, ça veut dire rêver d'autres choses. Et ensuite, donc ça c'est pour le côté sensibilisation, transformation et comportement. Évidemment, il y a l'innovation et toute la plateforme de Surfrider, le côté comment on arrive à généraliser. À généraliser des bonnes expériences et comment on diffuse les bonnes pratiques, ça c'est important. Puis ensuite, dans la transition écologique ou dans les politiques publiques, la politique de manière générale, il y a plusieurs leviers. Bon, l'innovation, on en a dit, sensibilisation, transformation des comportements, mais il y a la réglementation et la finance. Souvent, on le remet en responsabilité au gouvernement. À mon sens, les acteurs du sport ont tout intérêt à s'emparer de ces leviers-là. La finance et l'éco-conditionnalité des aides financières peuvent être aussi des éco-conditionnalités des sponsors. Et les sponsors ont une responsabilité d'exigence vis-à-vis, à mon sens, de ceux qui sponsorisent et doivent aller vers une influence là-dessus. Et puis la réglementation, les règlements sportifs, les fédérations internationales, les acteurs un peu majeurs qui ont façonné une discipline ont un rôle primordial à jouer pour, à minima, enlever dans les réglementations ce qui peut freiner l'innovation pour les enjeux environnementaux et au mieux imposer
des actions. Et c'est ce qu'on essaye à faire à chaque fois aux côtés au WWL, dans les partenariats avec le Centre du Mont Blanc, avec la Ligue du Football Pro, avec, c'est de voir comment ces acteurs-là peuvent, dans leur règlement sportif, dans leur règlement d'adhésion à leur essence ou dans leur série de courses, comment elles peuvent imposer aussi des contraintes environnementales et comment ben, une course phare peut dire ben, si vous voulez être qualificative pour nous, il faut supprimer le plastique et le plastique. Et ça, il y a une responsabilité qu'il faut que les acteurs du sport, on arrête de se décharger sur la réglementation gouvernementale, étatique. Et il y a une responsabilité, une contribution en tout cas, ultra importante que les acteurs du sport peuvent avoir sur ces sujets-là. J'espère que je n'ai pas été trop long et que à peu près clair. Merci Maël. Il y a une petite question qui est remontée. Je ne sais pas si... Yann peut nous la poser. Il y a une question qui nous a été adressée par Philippe Dupérex. Ouais, Maël. Bah, écoute, je vais la poser en français aussi, comme ça, ça sera parfait. Ouais. J'en profite. Là, je la vois pas dans le chat. Il y a une question de Philippe. Il demande. Tu as mentionné l'aspect digital et numérique de la problématique. Est-ce que tu peux développer un peu toi ta vision sur cette problématique-là? En quelques mots, pardon. Oui. Alors malheureusement, je suis pas un expert du numérique responsable, donc je vais pas me risquer à prôner des recommandations. Ce qui est important, c'est de regarder dès maintenant, dès le développement de ce, parce qu'on passe tout en ce moment par le numérique, on multiplie les streamings, on multiplie, et ça, c'est un impact. Donc, je ne saurais pas dire est-ce qu'il faut limiter le streaming, est-ce qu'il faut développer des serveurs, des modes de consommation plus éco-responsables. Tout ça, certainement, il y a les deux. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question dès le départ pour développer. C'est toujours plus facile de développer en prenant cette contrainte dès le départ qu'une fois qu'on a pensé dans un développement à tout va du numérique et du streaming, de penser comment on peut revenir en arrière. C'est un peu comme le transport aérien. On arrive sur l'internalisation du sport et la multiplication des événements internationaux, et puis maintenant, revenir en arrière, c'est compliqué. Donc, ce que je dis, malheureusement, je ne suis pas expert en numérique responsable, mais ce que je dis, c'est ayons dès le départ dans le développement, bon, même si c'est un peu tard, c'est déjà bien développé, ce regard-là. Merci beaucoup, Maël. Thank you so much. Thank you for your insight. It was actually very interesting. So many things that you said, we will try to develop them this morning with all the panelists. Thank you. Merci beaucoup, Maël. You can guys switch back to English or French. I don't know the channel you're using. Let's have a look at Mara's drawing this morning. Wow. Yeah, the challenges are huge. We're gonna come back in a few seconds with the first round table of this morning, and we will talk about the commitments of the stakeholders to reduce the carbon impact. So just a few seconds. If you want to tweet about the conference, please use the hashtag GreenSports so that we create a huge community. See you in a second.